Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, ici c'est les Oxoville. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 du playthrough de Deadpool. Donc, si vous vous rappelez bien, c'était épique, on a sauté du toit d'un immeuble de 50 étages dans un château gonflable. Donc, on se parlait à nos voix dans notre tête, on appelait notre gérant de jeux vidéo, puis on a laissé le gars qu'on voulait capturer s'échapper. Donc, je présume que l'épisode d'aujourd'hui va être consacré à le retrouver. Donc, excusez-moi, je starte le chronomètre pour être sûr qu'on dépasse pas le temps. Et on y va. Donc on est dans les égouts de la ville. Wow! What? Oh, I love old 8-bit games! Yeah, we do too. This game is old. Or 8-bit moron. Mais c'est une poule, nous avons plus d'argent, alors voilà pour vous. Hey, look at the boner over here! What the fuck, c'est un boner? Moi, je trouve ça quand même cool. Hey, non. Dummy, in old school games, you gotta find the key to continue. Two extra slices for just $9.99. Oh, un coffre. Intéressant. What the fuck? What? D'accord. Oh, une pièce. Et la porte est où? Ça me rappelle les vieux jeux de Nintendo. C'était pas vieux à ce point-là, Nintendo, mais c'est pas grave. Nintendo 64. Les vieux Mario, c'est le bon vieux temps. What the fuck? Hello? Peter! Hey, I was just running around my game, and all of a sudden I noticed that some shit was fucked up. What's up with that? I warned you about the budget, Deadpool. You literally blew all the money. Budget? What the hell, man? Yes, you do realize that all games have budgets. Peter, sweetheart, Bubula, let me remind you that my website got 15 million hits the weekend we announced. 1,000,001? 1,000,002? Cough it up. Ah, c'est une, quand même une petite scène sympathique. Go! I'll hold him off! Wait, what? Oh! D-list villains! Pour chasse les marronneurs. Qu'est-ce que je viens de voir? Wow, wow! Ça me saute dessus. Tetcha! Alors, personne d'autre? Let's go. What do these guys want with Mr. Moneybags anyhow? Whatever. They've got our mark. No mark. Money. Alors, on continue, on évite les balles. Donc la téléportation c'est vraiment utile, on le remarque à chaque fois que je suis dans les zones où le monde veut me péter la gueule avec des armes à feu, ça me permet d'éviter les balles, vous voyez j'ai encore 73 points de vie, puis il y a 5 ennemis qui me tirent dessus. Oh joy! Bullet! Le pistolet ça sert vraiment à rien dans les zones où c'est trop resserré comme ça, on va y aller à l'encre. Attends, est-ce que... 54 000 points, j'ai oublié, attends. Je vais pas vous couper en plein pendant l'action, on va pas faire ça. On va continuer. Allez. Yeah. Allez, toi ici, Good. L'action est finie, on ramasse tous les points. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien acheter? Moi, je pense qu'on veut juste upgrader nos armes, en fait. Je pense que c'est la meilleure idée. Ok, on augmente les DP gagnés de 50%. Bon, ça, puis cet upgrade là coûte 50 000, on n'est pas 50 000 pièces. 65 000, 25 000. Fais saigner tes ennemis en les frappant avec ton épée. 12 points de dégâts en 3 secondes. Oh, good! Dégâts de saignement, c'est toujours utile. Est-ce que mes épées ont un autre skin? Non. Taco récupéré, yeah! Contre! Parade! Parade! Écoutez le bruit que ça fait. Oh merde, je l'ai fait. Tant que quelqu'un m'attaque. Juste pour ça, c'est malin. Ils sont résistants quand même. Oh, qu'est-ce qu'ils ont ces gars-là? Ils sont résistants, Christ! Pour les gros mots, mais là, oh! On
longtemps, je viens de brûler mes armes. Allez, mourez! Allez, mais putain! Mort! Un autre taco. Je dirais même deux autres tacos. Viens ici. Headshot. Ok, j'ai peut-être tué une ou deux fois avant pour l'avoir, mais c'est pas grave. La salope! Elle veut pas se battre. Je pense pas que c'était dans le scénario, ça. Non, non. C'est pas dans le scénario, ça. Non, évidemment, j'ai plus de balles. Par contre, c'est quand même... il nous empêche d'aller au... tout le temps au... à l'arme à distance, quand même. C'est quand même bien fait. Ils veulent qu'on aille au minimum, on s'en va encore à corps contre les boss. Ils nous limitent nos munitions. Ouf! Ça fait mal, ça. Allez. Allez, viens-t'en dans le piège à ours. Ah! Allez. Viens dans l'autre. Ça te tient, là? Ça le bloque? Sérieux? Ah, ça bloque, ça se... Ah non, ok, non. Quand même, il y a une limite. Et boum! Ah, c'était un mini-boss, sinon il y aurait eu une cinématique, je pense. Oh. S'il y a des points gold... combien de points j'ai? 35 000. Avec 35 000 points, je sais pas ce qu'on peut faire de beau. En fait, je pense que je vais acheter. Parce que je trouve que les pièges d'ours, c'est pas autant utile que ça, donc on va acheter les grenades. Ah, je t'ai équipé des grenades. Je pense que ça va être plus utile. Surtout que on doit gérer beaucoup d'ennemis à la fois. Ça même pas te cacher, toi, je t'ai vu. Oh! On va tester les grenades. Good! I can't teleport yet. Moi, petit bug passager. What do you think? Sharp, right? Mais mort! Vraiment résistant, eux. Ils doivent porter des chandails à Kevlar ou un truc comme ça, là. Parce que je leur fais aucun dégât. Ah, enfin, comment on se retrouve, ma petite. Non, encore! Ok, je pensais qu'elle a encore son feu. You've been working out? Your pecs. I mean your breasts. Your chesties look unbelievable, if you catch my drift. I can help you get off that villain D-list if you... Kill this pansy! Okay, She-Man, we'll talk about your D-list pecs later. If you want a hug, you just gotta ask. Allez! Allez, t'as rien que ça? C'est juste ça que tu peux m'envoyer? Allez, come on!
comment ouais plus long que ça vient de battre. Mais c'est normal que tes gardes sont useless, ils servent à rien. Allez, come on. Wow, 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 ça c'est pas normal. Come on, viens de battre. Oh fuck. Comment je leur ai fait aucun dégât, mon frère? Oh, c'est rare. Wow, c'est quoi ces boucliers de merde? Ok, celui-là fournissait le bouclier aux autres, d'accord, j'ai compris. Bon, enfin, j'ai gaspillé mon pouvoir. Ah, ça serait Kratos. Hey, il est blanc avec des trucs rouges. Ouais. Parenthèse de jeu de PS3. Bon, il est bon. Allez, come on. Musclor. Là, on n'y est plus. Allez, pas toi. Bien joué. Je te headshot. Wow, qu'est-ce que t'as essayé de faire? Ce boss-là est beaucoup plus facile que les autres. Think you're cool? You ain't the only one with power, little geek. Je pensais qu'elle. Non, rien. Now that's impressive. Est-ce que tu penses vraiment qu'une petite ascenseur de salle de boss va vraiment me faire peur? C'est con. Je te glitch dans le coin. Tu peux rien faire. Allez. Ouais non, le tube t'as... Wow. Elle se permet de me donner des coups. Wow, what? Est-ce que j'ai plus de base pour ça? Come on! J'ai l'impression de faire aucun dégât, je pense. S'il faut que je fasse un truc spécial. Moi, si je cours en haut, j'attends que ma vie régénère. Good. Come on, baby, we can still work this out. You disgust me. Non, c'est un puissant fond, cette affaire-là. Hey, hot tits, the pipe I was offering gives way more pleasure. Oh, come on! Now, please, take your time. What? What kind of gamer are you? Hey, tickle! Let's not do that again, okay? Hey. No more sewers, High Moon. Il parle à la boîte de développement, c'est quand même nice. Donc, si je comprends bien, Deadpool et, comme je l'avais dit, est immortel. C'est quand même un peu comme un Wolverine, sauf sans adamantium. Oh, come on, guys! Vertigo! Could we seriously not afford better bad guys? Ooh, Vertigo! I'm gonna get dizzy! Clearly a video game. A powered down. Ton self, ton déjeuner, et trouve les leviers. Je sais pas c'est quoi le... Il y a une espèce d'effet bizarre dans mon écran. Je sais pas si c'est censé vraiment influencer mon gameplay. Flou. Ça c'est fait. On va aller chercher le prochain. Wow! Tu toi. C'est grand, hein? Two extra slices for just $9.99. C'est un dauphin, toi? Out of ammo. God, you guys are ugly. J'ai aucune idée. Well, anyway, il est mort. Wow, il y en a un deuxième. Et non, ce n'est pas un bug d'écran. Ce que vous voyez, c'est Vertigo qui fait ça. J'ai jamais entendu parler de cette super méchante-là, mais
Écoutez, je pense qu'on va la rencontrer très prochainement. Allez, meurs. Je pense qu'on est occupé. Wow. This is boring. Deuxième levier. Non. Téléportation. Parfait, il n'y a pas vraiment de dégâts de chute, de répercussions sur les dégâts de chute parce qu'on peut se téléporter à l'infini. Je vais même pas activer lui dans la première salle. Ah, je suis une merde. J'essaie de faire un raccourci. Et le levier de la première salle qu'on avait oublié d'activer. Good. Qui va aller.
ça, je me suis tué dans une glissade. Ouais, c'est assez pathétique comme ça passe. On recommence. Milieu, droite, gauche, droite, droite, milieu, droite, gauche, milieu. Putain, c'est tout le temps ces deux derniers là. Deux fois défilé. Ça paraît pas comme ça, mais c'est plus dur à manœuvrer que ça paraît. Si je reste au milieu, techniquement, ça devrait marcher. Ah. Ah, putain. Ouch. Après, j'essaie de rester au milieu. Les prendre. What the? Yes, Sinister. All my satellites are in place, ready for your broadcasts. Excellent. You are no longer in use to me, filthy human. Ow, ow. Shit, there goes our contract, Mike. Wait. Is that how the script goes? Time to have a little chat with Sinister. Hey there, Captain Douche. You know, I don't appreciate you killing my target before I could. Now I need to collect from your sorry ass. Should I be betrayed? What the hell? Why is this happening? Ouch! Come, Blockbuster. Genosha awaits. Ça sera mal. Plus qu'un peu. Psylocke? Domino? Boner? Engaged? What are you ex-babes doing here? We'd probably know if we'd read the original script. Deadpool, you need to listen to me. Mr. Sinister has taken over Chance White's Hard to believe we used to date her. Why'd you dump her? She's hot! Not as hot as Psylocke, though. Are you even paying attention? Bro! Hey! Like the girl said, we gotta go to Genosha if we're gonna stop Mr. Sinister from... Wait, Genosha the island? Hey, we'll have to fly there! Are we taking the Blackbird? Oh, I always wanted to fly the Blackbird! No goddamn way! Le Black Boy des X-Men. See? Montage! Works every time! We crashed. Yeah, but we crashed on Genosha! It seems our flight was a little more than the X-Chumps could handle. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode numéro 4 du Retour de Deadpool. Donc, on va aller retrouver notre ami Wolverine après un crash de Blackbird. Donc, on se retrouve. Vous allez voir l'épisode numéro 4 mardi. Donc, vous devriez patienter jusque-là et on se revoit samedi pour une vidéo en compagnie de Vince.